Soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous avons célébré dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit-Saint. Éclairés par ce même Esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit-Saint. Avançons vers la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain, en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour, tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple, qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Que l'or, que l'or fin, j'aime ta gloire, plus douce que le miel est ta promesse, que vive.
mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. En ce jour de fête, le Seigneur nous accueille dans sa lumière. Thank you.